Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo des cours de piano. Donc, dans cette nouvelle session, donc, nous allons pouvoir encore progresser donc, dans l'apprentissage de l'instrument. Nous avons pu voir sur les dernières leçons les notions de gamme, les notions d'accord, et nous évoluons donc, au fur et à mesure. À savoir que donc en voyant les interrogations de chacun sur certaines notions, ce qui va être prévu, donc si le Seigneur permet, c'est vraiment une session live où ce que nous pourrons interchanger en simultané par rapport aux questions, donc dans vraiment ces chapitres d'apprentissage, dans ces premières sessions d'apprentissage, où ce que mutuellement on pourra en fait échanger. Ou par donc on est en train de voir comment mettre ça en place, si c'est un live YouTube ou une session sur une plateforme type Google Meet pour pouvoir échanger en vocal, c'est toujours mieux. Donc on est en train de voir comment s'organiser à ce niveau-là, mais vraiment pour nous permettre d'échanger, de poser des questions, et puis voilà, vraiment un échange dans l'apprentissage, parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours simple lorsqu'on est seul devant son ordinateur en train d'écouter des leçons pour apprendre des choses. Des fois, on peut avoir des interrogations sur le moment, sur l'instant. Et je pense qu'on va vraiment bien s'organiser pour mettre ça en place. Donc, une session de partage et d'échange autour de l'instrument pour pouvoir encore progresser par la grâce de notre Seigneur Yahushua. Donc, voilà. Notre chant de base aujourd'hui, ça va être un chant, je pense, qu'on peut plus ou moins connaître, qui est simple et qui va nous permettre encore de pouvoir travailler les précédentes leçons que nous avons pu voir ensemble. Vous avez vu que j'ai ce chant-là à plusieurs accords. Donc le chant s'appelle simplement Je t'aime. Et j'ai pu me déplacer sur les différents accords, donc dans la gamme de Do. Donc ce chant va vous nous permettre de pouvoir travailler donc les anciennes leçons, mais également une nouvelle notion que j'aimerais aborder aujourd'hui, qui est la notion des renversements d'accords. Les renversements d'accords, des accords. Donc voilà. Le chant de base, toujours dans la gamme de Do, vraiment dans un premier temps, on va se focaliser sur cette gamme qui est très simple, parce que à savoir que la gamme de Do, il n'y a aucune dièse ou aucune bémol, il n'y a que des blanches. Voilà pourquoi on se focalise dans un premier temps, dans les premières parties de notre apprentissage, sur cette gamme qui est la plus simple du piano, la gamme de Do majeur. Donc voilà. Le premier accord de notre chant est l'accord de Do. Donc je vais le rejouer avec donc la nomenclature qui va s'afficher au-dessus avec les paroles pour pouvoir un peu vous situer au niveau du chant. C'est parti. En citant donc 1, cet accord-là que nous allons voir juste après, donc c'est un cinquième mais qui est renversé, 6, 5, 4, 1, 2, 5, 1. C'est un 7, on va l'appeler comme ça. 6, 5, 4, 5, 1. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Seigneur, je t'aime 1, 7, je t'aime 6, 5, je t'aime 4,
Seigneur. Et 1. Voilà pour la succession d'accords au niveau de ce chant. Vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai dit que je faisais un 5, mais vous dites, mais comment il fait un 5 puisque j'étais sur... Avec ma main gauche, j'étais sur le 7e degré de la gamme de Do. Donc, d'où la notion que j'expliquais tantôt, que nous allons voir aujourd'hui, qui est la notion des renversements. Donc, nous avons pu le voir. Par exemple, nous allons prendre un accord, l'accord de base, l'accord de Do. Donc, l'accord de Do, qui rappelle à nos souvenirs, se compose de Do, Mi et Sol. Jusqu'à là, nous sommes d'accord. Okay. Maintenant, il faut savoir que nous avons trois notes, mais nous avons également la possibilité de ce qu'on appelle renverser cet accord, renverser l'accord de Do. Donc, c'est-à-dire que au lieu de débuter par la note de Do, après de suivre avec Mi et Sol, je peux tout simplement décaler mon accord, retourner mon accord, on va dire, pour commencer par la note de Mi. Donc je vais faire juste une translation, un retournement, ça dépend le terme qu'on peut employer. Je commence par Mi, mon Sol, et je termine par mon Do. Donc, j'ai mon accord de base, mon Do qui est comme ça. Je vais le retourner. Je commence par Mi, le Sol et le Do. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier renversement. Ouais, j'ai décalé mon accord. C'est ce qu'on appelle le premier renversement. Donc, au lieu d'avoir le Do donc en première note, j'ai commencé en fait par la tierce de l'accord. Donc, la tierce de l'accord de Do qui est le Mi. Premier renversement. Et je peux me dire également que cet accord, je peux encore à nouveau le renverser pour, au lieu de commencer ni par le Do, donc je ne commence ni par le Mi, mais je vais commencer par le Sol. Le Sol donc qui est la quinte de l'accord de Do. Et donc je vais commencer par la quinte. Je suis par ma dominante. Et qui se termine par ma tierce. Et j'ai toujours un accord de Do. Sauf que je ne commence pas en fait par le même point de départ, tout simplement, si vous voulez. Accord de Do normal, basique. Premier renversement, donc c'est comme si je me décale, je retourne mon accord. Donc je me retrouve avec Mi en premier, Sol et Do. Et un deuxième renversement, je décale, je me retrouve avec le Sol en premier, Do, et je termine par le Mi. Et si je redécale, ben je reviens sur mon accord de base de Do. Un accord de base, deux renversements. Accord de Do. Premier renversement. Deuxième renversement. Et je reviens sur un accord normal. Donc, petit exercice. Avec la main droite dans un premier temps. En plaqué. Premier renversement. Deuxième renversement. Voilà, ça c'est juste pour comprendre et le faire en même temps avec les doigts. Ok ? Tout ça c'est un Do. C'est le même accord de Do que je renverse. Et vous voyez que le son est plus ou moins différent. Ça fait toujours un Do, mais le son est différent. Ouais. Et ça, c'est ce qui va faire que dans le jeu, quand on va commencer vraiment à jouer, en fonction du ça, le chant et de ce que vous voulez faire sortir, ben, vous aurez plus ou moins en fait, la facilité, par exemple, de faire un accord de Do normal ou de le renverser en fonction de la position, en fonction du son que vous voulez faire sortir. Il faut savoir que lorsqu'on joue d'un instrument, donc c'est l'instrument qu'on accompagne en jouant, mais c'est réellement comment vous êtes conduit à jouer en fait. Vous allez pouvoir jouer un chant d'une manière, mais vous allez pouvoir également jouer le chant d'une autre manière. Ça va être avec l'oreille, ça va être avec le jeu au fur et à mesure que ces choses-là en fait vont arriver. On va prendre juste un deuxième accord pour comprendre cette notion-là. On va prendre l'accord de Fa. Accord de Fa, normal. Premier renversement. Deuxième renversement.
et je reviens sur un accord de Fa normal. Ok ? Fa normal. Premier renversement. Deuxième renversement. Et on revient sur un accord normal. Regardez. Et lorsqu'on se positionne sur la position de base que nous avons vue ensemble dès les débuts, donc avec ma main gauche et ma main droite, remarquez bien que, en fait, tout simplement, je ne vous l'ai pas donné dès le début, cette notion-là, justement, pour ne pas nous embrouiller, on va aller au fur et à mesure, encore une fois, et il ne faut pas hésiter, et je pense vraiment qu'on va s'organiser pour échanger, créer un moment d'échange au niveau d'un live pour vraiment développer cet aspect-là. Avant de passer à autre chose, vraiment développer l'aspect de l'apprentissage, de la compréhension de l'instrument, avant de commencer à progresser vraiment proprement dit dans le jeu bien défini. Okay. Donc voilà. Donc j'ai mon accord de Fa à la main gauche. Et lorsque je vois mon positionnement, là je suis sur un renversé d'un accord de Fa en fait, tout simplement. Ouais. Et je suis sur quel renversé? Je suis sur le premier renversement, parce que l'accord de Fa de base il est comme ça. Et le premier renversement. Voilà. Allez, un autre accord pour comprendre. Nous allons partir sur l'accord de Sol. Allez. Cette fois-ci avec les deux mains. Je pense que la notion va commencer à rentrer au fur et à mesure. Je pack mon accord de Sol main gauche. Et la main droite. Regardez bien. Toujours, en fait. Ma main droite, en général, dans le jeu, elle va être souvent en premier renversement. Après, vous pouvez la décortiquer enfin, de manière différente, en fait. Ouais. Voilà. Allez, un troisième petit accord, toujours dans la gamme de Do. Donc, on va faire un La mineur, sixième degré. Lorsqu'on regarde ma main droite, la mineur normale, et on voit bien que la main droite, en fait, en général, va vous faire un premier renversé, un premier renversement. Ok. Voilà. Donc voilà la notion des renversements des accords. C'est tout simplement le fait, en fait, de partir d'un accord donné et de cet accord-là, en fait, tout simplement le tourner. Partir sur un accord, par exemple La mineur ici, je le renverse et je le renverse, mais c'est toujours un La mineur. Sauf que le point de départ, si vous voulez, est différent et le son est légèrement différent. Encore une fois, ça va déterminer du son que vous voulez faire sortir en jouant un accord et également du positionnement. Et je vais en revenir justement à notre champ de base qui est Je t'aime pour pouvoir comprendre en fait cette notion de renverser. Nous sommes sur le 1. Et ce que je vais faire ici, en fait, c'est un... En soi, c'est un 5, donc un sol, l'accord de sol. Mais vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est que avec ma main gauche, je vais faire le si. Donc le si, on est d'accord qu'il fait partie de la gamme de do. C'est le 7e degré. Mais il fait partie également donc, de l'accord de sol. Regardez, l'accord de sol, sol, si, ré. Donc ça veut dire que lorsque je combine l'accord de sol, je peux en fait également donc le renverser comme on vient de voir, donc le faire comme ça. Je peux faire le sol comme ça. Ça sera toujours juste. Maintenant, dans ce champ-là, on va dire que c'est autant je peux faire donc un « Je t'aime » en étant sur le sol, autant au niveau mélodique, je préfère combiner par exemple l'accord de sol avec ma main droite en renversé avec le 7 en fait, tout simplement. Regardez, ça fait en fait c'est comme si je renverse tout simplement mon accord de sol avec la main gauche. Vous voyez, regardez, j'ai renversé mon accord de sol avec la main gauche. Regardez, sauf que le point de départ est le si, j'ai mon sol ici, j'ai un si ici. Donc c'est tout simplement en fait un accord de sol qui est renversé avec en fait à la basse j'ai juste le si. Autant j'aurais pu faire ça, mais c'est pas forcément le son que j'ai envie de faire sortir, donc je vais partir sur ça. Ou j'aurais pu faire également un renversé comme ça. Allez, le ré à la basse, le sol,
le si. Mais là, pour le chant, je suis sur le si à la basse. Ok ? On reprend. Je t'aime. 1. Donc, en soi, l'appellation, vous allez voir sur notre tableau digital, qu'il est donc à la basse, donc à la main gauche, je vais faire un 7, donc un si, et à la main droite, en fait, c'est un sol renversé. Ok ? Je t'aime, donc 6, ou la mineure. Allez, la mineure qui est renversée. Me. Donc un sol normal. Il est renversé avec ma main droite. Je t'aime. Fa. Ou le quatrième degré de la gamme de Do. 1. Pour le Do. Seigneur. 2. Donc je peux faire mon 2 avec la main droite comme ça. Je peux le faire comme ça. Je peux le faire comme ça. Ce sera toujours juste puisque ça sera un 2. 5. Je t'aime. 1. 7 à la main gauche et un 5 à la main droite. Je t'aime. 6. 5. Donc demain c'est un 5. Je t'aime. 5. Seigneur. Et on revient sur le 1. Ok ? Donc un petit exercice pour finir cette petite leçon, à savoir que sur la prochaine leçon, on va encore aborder cette notion de renversement. Là, c'est la première partie. Pour vraiment qu'on comprenne des notions qui sont des fois assez particulières comme celle-ci, on va souvent les faire en partie 1, partie 2. Et au fur et à mesure, je vais vous donner des exercices pour commencer en fait à être bien justement au niveau donc de la compréhension, comprendre ce que vous faites et également savoir le matérialiser en fait en plaquant les accords. Donc l'autre petit exercice donc de fin de leçon, il s'agira simplement de pouvoir plaquer les accords donc de la gamme de Do en faisant chacun des renversés, premier renversé, deuxième renversé. Donc on va commencer par le premier degré, le Do. Ok, donc on va faire hop, hop, ok, d'accord. Donc en soi, on va commencer par le premier renversé avec la main droite, là je pars de ma main droite, premier renversé, deuxième renversé, et on revient sur le basique. Accord de Ré mineur, donc deuxième degré, pareil. Ok. Troisième degré, Mi mineur. Ok. Quatrième degré, Fa. Cinquième degré, Sol. Sixième degré, La mineur. Ok. Et le septième degré, Si mineur, cinquième diminué. Et on revient sur le Do. Donc, au tout début, ça va être, vous allez vous chercher, il n'y a pas de problème, c'est normal. Et au fur et à mesure, il va falloir en fait que ça commence à devenir fluide. Fluide au niveau de la position des doigts. Je vais vous le descendre pour que vous compreniez après, jusqu'à où, au fur et à mesure, vous allez progresser pour que ça soit fluide à ce niveau-là. Donc, pas...
dernier. Et voilà pour le petit exercice en soi. C'est deux exercices. Vous avez notre chant du jour, qui est « Je t'aime » dans la gamme de Do, avec les accords que j'ai pu décomposer en début de vidéo. Et le deuxième exercice, donc propre à la leçon vraiment du jour, qui est les renversés. Donc vraiment, c'est une première partie des renversés. On va y revenir à la prochaine leçon. Donc n'hésitez pas en fait à travailler, à pratiquer cet exercice qu'au début, ça va être difficile en fait au niveau de la dextérité des doigts. Les doigts, vous allez vouloir commencer à bouger un doigt, il y a le deuxième qui a bougé avec. C'est normal. Au début, les doigts n'ont pas forcément l'habitude d'être indépendants comme ça. Donc c'est des choses qui sont observables lorsqu'on commence un instrument, le piano, la guitare, tout ce qui demande l'utilisation des doigts, c'est clair que c'est normal en soi. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, c'est les débuts et au fur et à mesure, on va progresser ensemble. Et au fur et à mesure, je nous donnerai des exercices pour commencer en fait à ce qu'on appelle délier les doigts, pour qu'ils prennent l'habitude en fait de pouvoir se déplacer un peu librement. Donc voilà. Pour notre leçon du jour, donc le chant « Je t'aime », toujours dans la gamme de Do. On va se focaliser dans la gamme de Do, dans les premières leçons, vraiment, comme je disais tantôt, c'est la gamme la plus simple, il n'y a aucune dièse, aucune bémol, donc pas de notes noires, donc il n'y a que des notes blanches, donc c'est facile à faire, facile à travailler dans un premier temps, et plus on va avancer, plus on va commencer en fait à découvrir également les autres gammes, les autres accords. Avec des dièses, avec des bémols, mais ça, c'est pour après. Donc en tout cas, que le Seigneur nous garde dans cet apprentissage. N'hésitez pas, lorsque vous avez des questions, des interrogations, à nous les envoyer en commentaire, en commentaire de chaque vidéo, pour qu'on puisse y répondre, pour pouvoir nous aider à progresser. En tout cas, que le Seigneur, notre Seigneur Yoshua, nous garde et vous conduise encore dans cet apprentissage. À bientôt et on se retrouve pour la prochaine leçon.